Je m'appelle Étienne Chevillard, je suis le responsable de la sécurité informatique du groupe Sigma. Le métier consiste au quotidien à encadrer et piloter la sécurité de l'information dans l'entreprise, donc à protéger les informations et les applications de l'entreprise. C'est un métier qui est très transverse, c'est-à-dire qu'il va collaborer avec toutes les activités de l'entreprise, la production, le marketing, la gestion du personnel, etc. Du coup, au jour le jour, la première chose, ça va être définir la stratégie de sécurité, les objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire en termes de sécurité dans l'entreprise. La deuxième étape, ça va être de faire les bons choix en termes de solutions techniques, logicielles, matérielles, pour répondre aux objectifs de sécurité, corriger les failles de sécurité. La troisième étape, ça va être d'accompagner nos équipes pour mettre en place ces solutions sur les systèmes informatiques de l'entreprise. Et puis enfin, dernière étape, qui est une étape périodique, c'est tester, vérifier la sécurité de nos systèmes. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est à l'âge de 12 ans, au collège, j'ai découvert la programmation informatique, j'ai programmé mes premiers logiciels, mes premiers jeux vidéo, et j'ai trouvé le concept sympa. Ensuite, il y a eu un deuxième déclic, j'étais au lycée, 1996, l'arrivée d'Internet en France, les premiers sites web, la possibilité d'accéder en quelques mots, en quelques clics, à une masse d'informations considérable, et la possibilité aussi de contribuer à la création d'un site web, à une page web. J'ai trouvé ça passionnant, je me suis dit, je veux bosser là-dedans, je veux en faire mon job. J'ai commencé par un bac scientifique, ensuite un DUT, donc dans un unité informatique, puis une licence et maîtrise à l'université. Ensuite, j'ai commencé à travailler et j'ai profité de mes premières années de job pour passer en formation continue un diplôme d'ingénieur. Pour ce métier, la première qualité, c'est la rigueur. Il faut être rigoureux, il faut aussi être capable de jongler sur différents sujets, donc être flexible. Et puis enfin, il faut savoir communiquer. La communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, c'est très important pour faire passer des messages, faire comprendre les règles de sécurité. À côté, j'ai plusieurs centres d'intérêt, en particulier la photo. Je suis passionné de photographie, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Je fais aussi un peu de retouche d'image et l'informatique, ça aide pour ça. Et puis après, j'ai l'opportunité de rencontrer, de par ma fonction, beaucoup de monde dans la sphère de la sécurité informatique, lors de conférences, de salons, dans des réseaux, dans des clubs. Et c'est des gens qui ont aussi des centres d'intérêt, qui font aussi plein de choses à côté du boulot. Et c'est l'occasion de connaître ces choses-là. Je m'appelle Étienne Chevillard, je suis le responsable de la sécurité informatique du groupe Sigma.